Salut à tous et bienvenue dans ce sixième épisode, enfin dans cette sixième vidéo, mais cinquième partie, je vais arrêter de le répéter, vous commencez à comprendre si vous avez déjà suivi le playthrough depuis le début, le playthrough de Skyrim, donc le livre 4, saison 4 pour moi. Donc je vous rappelle que c'est un playthrough de la guilde des assassins, avec un personnage féminin, elf. Et donc, ça fait un petit paquet de temps que j'ai pas tourné, et je dois avouer que je me suis rendu compte que faire des vidéos de 30 minutes, c'était sympa, mais très long pour les rendus, donc un peu casse-couille, donc je vais essayer de faire des vidéos un peu plus courtes si je le peux, genre 5 minutes de moins. Donc dans la vidéo précédente, j'ai intégré la communauté noire, j'ai rencontré mes copains, mes nouveaux amis et collègues, et Nazir, ici présent, m'a filé 3 assassinats, que je vais aller faire, d'ailleurs que je vais prendre dans mon tableau de quête. Donc voilà, c'est en attendant qu'ils aient une mission un peu plus importante, et c'est pour me tester. Donc on va essayer de faire ces 3 assassinats de manière plus ou moins discrète. Et puis donc on va y aller. Tiens, ça m'intéresse un peu, tiens. Non, c'est la tenue. Double les attaques discrètes des armes. À une main. Alors que l'autre, c'était quoi? C'était les attaques dans le dos. Là sont mieux. Voilà. Et j'ai rechopé un rhume, comme vous le savez. Ça fait à peu près un an que la chaîne existe, et sur ces un an, j'ai dû passer 9 mois avant le rhume. Donc voilà. On continue. Donc allez, on va essayer de trouver et tuer nos 3 petits contrats. Et puis ensuite, on verra. La guilde des assassins, pour l'instant, est pas très intéressante. Ça viendra après, une fois qu'on commencera à avoir les assassinats importants. Et voilà, et il pleut forcément. Fuck. Donc le premier assassinat est ici, à Port. Pas Port. Je sais plus le nom de la ville, mais va falloir qu'on y aille à pied. Ça c'est déjà super marrant. Lui, il est pas loin de la Syrie, donc ça va. Et lui, il est au Bétoile, donc c'est loin aussi. Mais on peut prendre une carriole. On va essayer de tuer celui-là qui est loin. Donc, le meilleur moyen que j'ai, c'est de passer par la montagne en prenant le rocher orphelin que j'avais découvert au-dessus du pétrole. Hey, voilà mon marteau Volendrung, marteau de puissance. Ah, c'est un marteau d'Wenner, d'accord. Oui, je me mouchais. Quand je vous dis que j'ai le rhume, c'est pas pour rigoler. Très sympa ce marteau, j'aime beaucoup. Il doit faire excessivement mal. Et j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser puisque je l'ai gagné à la fin de la mission orc, et qu'à la fin de la mission orc je n'ai fait que discuter depuis. Il n'y a pas eu de combat, je m'en rends compte. Certains d'entre vous doivent être terriblement tristes. Voilà, le rocher orphelin. Alors, c'est lequel d'assassinat que je veux faire? Ce qu'on va faire, c'est que on va... C'est Narfi. Voilà. Faut que j'aille au sud. J'ai activé un piège à loup, mais tout le monde s'en tape. Ouais, le sud. J'ai réactivé un piège à loup, mais tout le monde s'en tape. Incroyable. Ouah. Eh ben allez, au passage on va passer par le camp sombrage. Je sais pas si le camp sombrage va m'attaquer. Vu que j'ai pas encore pris parti dans la guerre. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on va avoir droit à un épisode visite du sud de Skyrim, ou bord de ciel pour ceux qui sont allergiques à l'anglais. Et encore, je préfère dire Skyrim que bord de ciel. Le consommage, je sais pas sur le chemin, on va suivre la route. Il me faudrait un cheval, et est-ce qu'ils sont pas des chevaux Ils vont m'en vouloir, mais je m'en tape. Par contre, j'ai pas envie de me faire remarquer. Personne m'a vu. Bon là ils m'ont peut-être capté par contre, mais je m'en tape. Où est la route? Ah non, ils m'ont capté, mais ils me créent pas. D'accord. On peut leur voler des chevaux, sombrage, ils ne vous diront rien. Ils sont un peu cons. Mais bon, pas leur en vouloir. Et eh ben voilà, et eh ben je pense que je vais accélérer jusqu'à ma destination.
Sauf si je trouve un truc intéressant sur la route. Mais ça m'a pas l'air d'être trop le cas. Donc allez, on accélère. Excuse, monsieur. Un orque? Bonjour, sir. Vous me semblez las. J'ai quelque chose pour vous aider à vous détendre, si ça vous intéresse. Tu vends de la drogue? J'aime bien tes gants. Le meilleur skooma, le sucre lune le plus doux. À un bon prix, bien sûr. Donne-le-moi. Ça marchera pas comme ça. Fuck. Wow! Tu tombes sur la mauvaise personne. D'accord. Putain, le mec il vend de la drogue, mais. Ah, je vole la vigueur de mes adversaires. Blom! Tiens, je te vole aussi ta colonne vertébrale, tu m'en voudras pas. Je vais me mettre des gants. C'était des gants, quoi. Oh, ouais, c'est ça, c'est de la drogue, le skooma. C'est de l'arbre endormi. Ouais. Ah, c'était des gants de Wenner. Ouais. J'ai perdu mon cheval, oui, toujours là. Fuck! Il s'est barré! Connard de cheval. Trahi par un animal. Salopard. Bon, ben, on va continuer à pied. On est bientôt arrivé. Je crois. Quoi, une ville là? Est-ce que c'est la ville que je recherche? Non, c'est pas une ville. Il y a une pauvre maison, une pauvre cahute. Je suis où là sur la map? Ouais, on est presque arrivé. On va faire un effort. Putain! Ah! Bon, laisse-moi te dégommer ta tronche. Aïe! Connard de loup! Ouh! Bon, je commence à en avoir marre de me faire taper dessus par tout le monde. Il y a qui dans cette maison? Il y a quoi? Il y a quand? Ça a l'air plutôt vide. Cabane de l'alchimiste. Il faudra encore qu'il y ait un alchimiste. Journal de l'alchimiste. Alchimiste. Venir ici était une excellente idée et la flore locale semble avoir de nombreuses propriétés stratégiques. D'accord. Ah ouais, donc en gros c'est ouais, il fait c'est plein de plantes intéressantes pour l'alchimie. Je serais alchimiste, ça aurait été bienvenu en fait. Parce que ça m'aurait permis d'avoir quelques trucs. Quelques plantes, quelques. Oh là là, j'ai vu des pattes, des pattes velues. On va se calmer l'araignée, on va se calmer. Voilà. Gentil l'araignée. Oula! Ça laisse pas faire. Ah! Non, je suis coincé. Allez, dégage. Saloperie, flèche forte. Faudrait que je récupère un peu plus mes flèches. Rappelez-vous, j'ai volé une centaine de flèches à un orc, mais après, que dalle. Ah, on arrive, la petite ville est là-bas. Je sais plus son nom. Pourtant, je suis quasiment sûr qu'il y a Ivar dedans. Fort Ivar, peut-être. Ouais, je disais port, mais c'est complètement con, parce que c'est juste c'est à côté d'un lac, il n'y a rien à voir. Fort Ivar, peut-être. Grotte de Brinectar. Voilà, un ours! Aïe! Il va me bouffer! Il est fort. Je le calme. Voilà! Calmos! On part chacun de son côté et on s'emmerde pas. Purée, il faut que je tombe sur tous les animaux de la forêt ici, hein. Non, il est marrant ce marteau. J'ai des petits coups de lag, je sais pas d'où ça vient, ça m'énerve. Et on arrive à Fort Ivar, je crois que c'est ça. C'est quand même la honte de pas connaître cette ville après plusieurs heures de jeu. Fort Ivar, voilà, je ne m'étais pas trompé. Bon, il est où le clodo? Parce que je sais que c'est le clodo qu'il faut qu'on puisse ici.
super. Attendez, je vous connais. Non, non. Tout le monde me connaît ici, c'est dingue. Ah oui, ouais, il habite dans cette maison de merde. J'ai peut-être une idée. Pas sûr que ça marche. Si je le force à se battre contre moi, et que les gardes le voient en train de se battre contre moi. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux rien, deux secondes, je visite ta baraque. D'accord, de l'hydromel, un pauvre lit, du pain, il est content. Super, alors on va tester ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Attends. Hop, petite sauvegarde. Voilà, monsieur va m'attaquer. Aïe ! Regardez, il m'attaque. À l'aide, garde de Blancherive. Aïe ! Eh, c'est pas moi le méchant ! Aïe, arrêtez ! Oh ! D'accord, mon plan... Aïe ! Ah, il lui tire aussi dessus, il... Il lui tire aussi dessus, c'est ça ? C'est pas que sur moi. Il va où, ce type ? Mais tuez-le, il s'échappe ! Non, il m'en veut, ce gars. Wow, mais ils m'en veulent tous. Fuck, pour chasser le mec, puis putain. Aïe. Attaque-toi tout le monde un petit peu. Aide-moi. C'est à qui qu'ils en veulent? À lui, yeah. Butez-le, oui. Aïe. Bon, maintenant on fuit la ville parce que les gardes m'en veulent aussi. Ah, vous ne mourrez jamais. Un plaisir de vous avoir connu, messieurs. On va suivre le courant. On va le laisser nous porter. Oh. Oh, fuck. Je suis mort. C'est la dernière fois que je laisse le courant me porter trop loin. Joli. Nocturne. Ah, on la verra pas. Bon, on le refait. Ça a été un plaisir de vous connaître, les mecs. Oh, c'est où? Hop, hop, hop. La sauvegarde. Espérons qu'il n'y ait pas de poiscaille dans l'eau. Voilà, là on va laisser le courant nous porter. Tranquillement. Un troll. Well, the fuck. Je sors d'un tas de merde pour arriver dans un autre. Ah, c'est la merde. Ça va que je cours vite. Bon. J'ai toujours à mon cul le troll avec toi. Ah, fini. Bon. Ouh. Bon, ben, c'est un peu... En fait, je voulais simplement que le mec meure, mais par les gardes, sans que les gardes m'en veuillent. Oh, belle esquive. Je te laisse en vie pour la peine. Ouais, je me suis un tout petit peu... What the fuck, c'est quoi ces trucs? Qu'est-ce que c'est que ces machins? C'est quoi cet endroit pour Rave? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu ça auparavant. Oula, c'est plutôt classe. Bon, et eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se TP un peu plus proche de mes prochaines cibles. Donc, qui est Beltide et l'autre. Moi, je sais qu'il y en a un qui est près de ça. Par contre, pour aller là, il faudra que je passe par le camp de Neigemont, puis que je continue jusqu'à Aubétoile. Allez, on va essayer de faire ces trois assassinats pour cette vidéo. Et puis, on ira les rendre... plus tard. D'accord, bon, alors, premier assassinat, vous pouvez le noter à moitié réussi, puisque finalement, j'ai réussi mon objectif en mettant toute la ville à dos, ce qui n'était pas forcément une bonne idée. C'est la prochaine fois que je reviens, ah, puis il neige. Il neige, il fait nuit, il fait moche. Il est 8h du soir, je vais dormir à l'auberge.
petite auberge il y a dans une ville de merde. Pas d'auberge aussi. Y a pas un lit de clodo dans un coin que je puisse dormir. Bon bah tant pis, on va aller chercher l'autre au nord, on va sortir la torche. Je sais quoi comme pouvoir d'illusion qui pourrait être marrant à utiliser sur mes amis. Peur. Les créatures et personnages de niveau 9 et inférieur fuient. Pourquoi le faire fuir? Je peux dormir dans ton lit. Merci. T'es un bonhomme. Un brave homme. Comme ça, ce sera le jour et ce sera un petit peu mieux pour la vidéo, parce que je dois avouer que la nuit, parfois, c'est sympa, mais sur YouTube, c'est un petit peu de la merde. Qu'est-ce que vous faites là? Laissez. Ouais, ça va, mec, pète un coup. Il y a des crabes là qui pourraient le tuer. Faudrait que je lui foute, que lui pêche la trouille. Pour ça, hop, on va mettre le sort d'illusion de peur en favori. Je vais pas le mettre en raccourci parce que j'utiliserai rarement, je pense. On va le tester, ce sort. Alors je vais mettre la peur et dans l'autre main, le calme. Sérieusement, tu fuis là? Ouais, fuis vers les crabes. Bonne idée. Ça va pas, mec? S'il vous plaît, ne me tuez pas. Mais j'ai pas l'intention de te tuer, j'ai juste l'intention que tu fuis vers les crabes. T'as l'intention de rester sous l'eau combien de temps? S'il vous plaît, ne me tuez pas. Ouais, c'est ça. Tu peux aller vers les crabes là-bas qu'on rigole? Vers les crabes. Vers les crabes. Vers les crabes. Ah. Ou je sais pas, fais une chute. Arrêtez. Mortelle. Ça va être vachement chaud. J'ai tué quoi? J'ai touché quelque chose, mais quoi? Rien. Oh yeah! Ah là, lui il est mort. Mais qu'est-ce que j'ai buté? Oh, magnifique dernière flèche dans la tronche. En plus, il n'y a aucun témoin. Qu'est-ce que j'ai eu? Oh, wow, genre, j'ai eu une poule. J'étais vachement loin. Par contre, le cadavre du mec, on va peut-être pas le laisser au milieu de la rue, on va le foutre dans la rivière. Allez. Allez, mon gars, fait un petit effort. Heureusement qu'il porte pas d'armure. Je peux le soulever. Je peux pas vraiment le soulever. Je peux juste le faire glisser jusqu'à la rivière. Ah, allez, fais un effort. On va pas s'entendre, toi et moi. On va pas s'entendre. Allez, t'y es presque. Voilà. Voilà, je te souhaite bon voyage. À la prochaine. Bon, maintenant, faut qu'on aille à Aube Étoile. Trouver le dernier assassinat. Donc, pour cela, on va aller au camp de Neigemont. Et puis, on va encore courir, marcher, voler. Tout ce qui est possible de faire dans ce jeu. Bon, ce deuxième assassinat, il était plutôt réussi. Même si j'aurais préféré que ce soit les crabes qui le bouffent, puis qu'après le courant l'emmène au loin. Mais on retiendra ce superbe long shoot. J'aurais aimé une kill cam, franchement, parce que la poule a été vachement loin et je l'ai bien eu. Et il neige, il fait froid. Ceci dit, la neige est blanche. Et vu ce qu'on voit super mal ce qui est noir sur YouTube, enfin ce qui est sombre, et ben au moins quand il neige, on est sûr que vous voyez à peu près quelque chose.
Bon. Bon, pour l'instant, c'est pas trop des assassinats qui nécessitent de l'infiltration, parce que vous voyez que c'est des gens un peu comme les autres, qui se trouvent au milieu des villes et villages, un genre de truc. Il y a un fort ici, très joli. Je vais mettre le truc pour me déplacer silencieusement. Attends. 3, ouais, 5, voilà. Il est par où ce truc? On va vers le nord là, on est bien d'accord? Oui, on va vers le nord. Eh ben allons vers le nord! Je sais pas ce qu'il y a dans ce fort, mais j'ai pas envie d'avoir des ennuis. On s'en fout. Ce qui me fait peur un petit peu, c'est qu'au nord de Skyrim, il y a des spectres des glaces des fois. Que le spectre des glaces est plutôt un emmerdeur sur l'ensemble. Puisque très difficile de comprendre si on le tape ou pas, enfin de voir si on le tape ou pas. J'avoue que ça faisait longtemps que je me baladais plus comme ça en Skyrim. Oula, attention, des fois il y a des trolls. Ah wow, cette esquive de fou que je viens de taper. Par contre, j'ai un petit peu de faire une crise cardiaque. Wow, calmos le toutou, calmos. Oh chat. Toi aussi, calmos. Voilà, ouh. Bien. Non, toi tu t'attaques à ton copain et moi je me taille. Il est en train de se battre avec son copain là. Non, il me course à l'aide. C'est quoi cette bouche? J'irai bien voir. Il est là. Il m'en veut. J'irai bien voir ce que tu veux. Mais je sais pas comment monter. Foutu tigre de glace de merde. En plus, je suis pas très puissant encore, donc les affronter c'est un peu bordel. C'est quoi? Ah, c'est un hôtel pour un dieu, je crois. Ah, on est presque bétoile, je reconnais le fort qui est là. D'accord. Hôtel de Dibella. Ah, hop, un petit boost d'illusion, sympathique. Et la mer. Une petite musique calme qui se déclenche derrière. Presque idyllique ici. Bon allez, alors elle est au milieu d'une ville, donc si je me démerde, je peux la retourner contre l'ensemble du village. Village qui, lui, pètera la gueule de manière rapide et violente, j'espère. Si les gardes s'y mettent, c'est bon signe. Mais le mieux, c'est que... Ouais, je sais pas pourquoi ça a pas marché contre le clodo. Normalement, les gardes, ils te voient que t'es frappé par un mec. Ils ont pas trop de preuves que le mec... Enfin, voilà. Je comprends. Normalement, ils voient le mec te taper, donc ils te défendent. C'est un peu haut, là. On va faire gaffe. Un peu haut bétoile, d'ailleurs. Comme ça, tant mieux si j'ai besoin d'y retourner. J'aurais découvert la ville. Eux ils sont en train de s'engueuler, j'en ai rien à taper. Voilà. Je n'arrive pas à fermer l'œil, quelle que soit la quantité d'alcool que j'avale. D'accord. Quelqu'un me voit là, sérieusement? Qui? Ah, personne ne me voit. Alors attention, tentative. Détecté, mais genre, par qui? Bonjour. Oui, yes, ça va marcher. Butez là. Ah oh mon dieu, ça fait plaisir. Oh, oh, puis même le yard s'y est mis. Incroyable. Incroyable. Clé de la maison. Ah ouais, elle avait une maison. Ça va, yard? Vous n'avez pas l'intention de résoudre ce problème de cauchemar, je n'ai nul besoin de vous. Eh ben très bien, continue à gueuler dans ton coin, papy. Bon, eh ben on va revenir au niveau de la guilde des assassins, dire à Nazir qu'on a réussi tous les contrats, même si pour celui-là c'est pas trop moi qui m'en suis occupé, je suis plutôt content. Donc en off, je vais me TP à la guilde des assassins, et puis on se retrouve donc pour l'épisode 7 assez rapidement, en fin de semaine à vrai dire. D'ici là, sachez... Non, c'était épisode 5. Ah non, ah, je suis perdu dans les chiffres.
Bon bref, on se retrouve dans le prochain épisode assez rapidement. Sachez que le bilan arrive dès demain, je crois, demain on est lundi, je ne sais plus, je suis complètement perdu. Enfin bref, je vous conseille d'aller regarder le bilan de la chaîne, hein, c'est toujours plein d'informations intéressantes. Et puis, c'est tout. Voilà. Allez, salut à tous. Pensez à vous abonner si vous découvrez mes vidéos. Allez faire un tour sur Twitter si ça vous intéresse. Et puis, à la prochaine. Salut.